Alors les amis, il est 8h20. J'attends un bus, il est là dans 15 minutes pour sortir de la ville. Je me suis réveillé super tôt ce matin parce que il n'y a vraiment rien qui roule sur l'île. Il y a 2 bus par jour pour aller à l'endroit qu'on va visiter aujourd'hui. Par contre, il fait super beau. Le soleil commence à se lever. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Amis, je suis définitivement au bled. Le gars m'a fait des sons de là. Il n'y a rien autour. Il commence à neiger, j'espère que ça va passer. Le prochain bus est là seulement à 14h. Il est 8h du mat. Donc j'espère qu'il y aura des trucs à voir, sinon on va s'emmerder dans le froid. Allez, c'est parti, je vous fais visiter le bled du Gotland. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de petite balade nature comme ça. Ça fait vachement plaisir, une petite randonnée. Et j'ai beaucoup de chance parce que il fait un petit moins 2. C'est juste bien parce que s'il faisait 1 à 2 degrés, toute cette neige là serait en train de fondre. Il y aurait de la boue partout. Alors que moins 2, c'est juste parfait. Il fait froid, mais c'est juste bien ce qu'il faut. Un truc trop dingue les gars, regardez ça, toutes ces petites boîtes aux lettres. Alors je me trouve sur un espèce de carrefour en plein milieu de la forêt. Il y a parfois de temps en temps il y a des habitations comme là-bas, et je crois que ils ont adapté un système de mettre toutes les boîtes aux lettres ici. Et vraiment il y en a une cinquantaine, ça va jusque là-bas au fond. Comme ça le facteur il va pas se taper toute la forêt dans les je sais pas combien de kilomètres aux alentours. Il y a même une petite boîte avec des livres. On peut venir échanger son livre, lire quelque chose. Si vous avez plus de livres chez vous, plus rien à faire. Et le soleil il tape aujourd'hui hein. J'ai vraiment choisi la bonne journée pour venir ici parce qu'il fait méga beau. J'ai du mal à régler la caméra tellement il y a de luminosité avec le soleil et toute la neige autour. Mais franchement c'est magnifique. C'est trop beau. Que les gens qui vivent ici ont ça tous les jours, franchement je suis jaloux, c'est vachement beau. Franchement je commence à stresser pour la batterie parce que je me dis qu'il faudrait que je filme moins pour tenir toute la journée, mais chaque fois que j'avance je trouve quelque chose d'encore plus beau et du coup je continue à filmer. Je kiffe l'endroit, il faut venir ici. Et ce que je trouve bien c'est que ces petits villages, enfin, je croise des gens, il y a une maison qui se construit plus loin. Chez nous les villages ont tendance de plus en plus à devenir fantômes parce que tout le monde part vers les villes, et ici on est sur une île déjà, mais en plus
dans un tout petit village perdu, et pourtant ça vit bien, donc franchement l'ambiance est très bien, j'adore. Je suis revenu à la GoPro parce que je filme tellement que la batterie du Canon elle est en train de se décharger, mais pourtant il y a tellement de beaux trucs, alors je peux pas m'en empêcher. À chaque fois j'ai envie de faire des belles images, mais j'ai envie de les garder aussi pour la suite, parce que ouais, c'est pas fini, on va encore essayer de monter sur la falaise qui est là au fond. Bon, avec la GoPro sûrement vous la voyez pas, ça valait la peine de se réveiller si tôt ce matin pour venir ici. C'est juste magnifique avec la glace sur la mer et tout, c'est... village, franchement, magique. Si vous préférez des vacances posées à la mer, au soleil, sur la plage, plein de sable, etc., faites-le si c'est votre kiff, mais moi je trouve personnellement que un saut dans les endroits comme celui-ci, de temps en temps, ça vaut quand même la peine, ça fait vachement du bien. Et personnellement, il y a beaucoup plus de choses à faire ici que sur une plage où finalement vous faites que vous baignez et restez sur le sable à cuire comme des œufs sur une poêle. En fait, en mer Baltique, il n'y a pas de marée. Ce qui fait que par beau temps comme aujourd'hui, vous voyez, la mer est ultra calme. J'ai vraiment pas pu tomber mieux pour la météo, parce que il fait super beau, le ciel est bleu, la mer est calme, il n'y a pas une seule vague, c'est tranquille, franchement c'est le silence complet. Vous voyez, on entend juste les petites vagues, franchement c'est magnifique. Voilà, je suis au pied de la falaise, ça a l'air assez abrupt, il n'y a pas vraiment de chemin. Mais vous savez quoi? Je serais pas moi-même si j'essayais pas de monter dessus. Alors c'est parti!